L'odeur du chêne qui vient d'être coupé, ça rappelle les odeurs qu'on a dans les chais. Ouais. Quand on remplit un fût neuf, ça sent ça. Donc c'est du futur whisky. L'histoire commence ici, dans la forêt du Cranou. Un tonnelier, un forestier et un distillateur se sont retrouvés autour de l'envie de valoriser le chêne breton. C'est un bois qui est appelé à faire autre chose que du feu, donc on va l'abattre avec respect et puis avec les bons gestes, quoi. Dès l'abattage, le tonnelier, qui est aussi exploitant forestier, sait ce qu'il va pouvoir tirer de l'arbre. Ce qu'on voit sur l'écorce, c'est très souvent ce qu'on va trouver dedans. Si on a des écorces qui sont assez grossières, on risque de trouver des grains assez gros à l'intérieur. Pour choisir celui qui fera un bon tonneau, il faut s'approcher, observer et lire le bois sous l'œil d'un regard expert. Un tonneau en fait est fait de plusieurs douelles et une douelle mesure 1,10 m. Donc si on réussit à trouver 1,10 m dans ce tronc sans défaut, on peut imaginer qu'on fera du mérin dedans. Les mérins, ce sont les planches qui serviront à la fabrication de la barrique. Une nouvelle vie pour les chênes bretons, une opportunité pour l'Office national des forêts. Le bois de charpente se vend à 30 euros le mètre cube. Un chêne dans lequel on va faire des tonneaux, ça vaut 300 à 500 euros le mètre cube. Donc pour le producteur, parce que nous, on a aussi un rôle de production de bois, donc c'est intéressant de valoriser nos bois en termes économiques. Après, bien sûr, se dire qu'il va y avoir ce bois-là aura un avenir qui va permettre de faire des choses très très bonnes. Consommer avec modération, mais très très bonnes, c'est vrai, c'est une satisfaction aussi, bien évidemment. Oui. Il y a des odeurs un petit peu sucrées, c'est pas âcre, c'est assez doux, quoi. Ouais, c'est génial. On ne s'attend pas à avoir des odeurs comme ça. Les sens de chacun sont en éveil, avec dans la tête du maître de chais déjà des saveurs qu'on retrouvera dans le fût, en bout de chêne. Ces chênes-là vont vraiment apporter la structure, le côté vanillé, mais aussi un côté épicé à nos whisky qui va venir vraiment donner cette explosion qu'on peut avoir en bouche, dans le Derwent notamment. C'est vraiment un whisky très complexe, très structuré et très, très aromatique, et très épicé. Ambiance vanillée aussi dans l'atelier de Jean-Baptiste Le Floc à Douarnenez. Ce jour-là, il y a une commande à finir. Arthur et Titouan, apprentis forestiers, donnent un bon coup de main. Ils ont la vision de la chose, de la forêt jusqu'à la fabrication. Et c'est important de leur montrer ça, quoi. La sylviculture, pourquoi une sylviculture bien conduite va arranger les affaires du tonnelier derrière. C'est génial de pouvoir voir ce qu'on peut faire à partir du bois qu'on va retrouver en forêt. Et c'est génial de voir comment on va transformer le bois et ce qu'on peut faire avec. La technique remonte aux Celtes et n'a guère changé. Des gestes que l'artisan répète depuis 25 ans. Moi, en tant qu'artisan, pour faire un fût de 400 litres, il me faut 6 à 7 heures. Vous avez des tonnelleries industrielles où tout est mécanisé. Vous n'êtes pas spécialement obligé d'être tonnelier pour faire certaines tâches. Par contre, sur des tâches bien précises comme la chauffe, les montages, là, il faut des tonneliers. D'abord ouvrier dans une scierie, Jean-Baptiste Le Floc se lance dans la tonnellerie au lendemain de l'ouragan de 87 qui a mis les forêts à terre. Il part à l'école de Cognac se former au métier. Tout au long de la fabrication, le goût est présent à son esprit, mais il l'est encore plus au moment du bousinage, c'est-à-dire de la torréfaction du fût. Quand on chauffe les fûts, on fait très attention aux températures et aux durées. C'est-à-dire que là, les fûts partent pour la distillerie Waringem. Il y a un protocole de chauffe qui est très précis. Chaque année, le tonnelier breton livre 15 barriques à la distillerie de Lannion. La livraison des fûts de Jean-Baptiste, oui, c'est quelque chose qui est important. On attend ce moment, on sélectionne le moment et les distillats qu'on sort à ce moment-là pour pouvoir remplir ces fûts-là. Ce seront les seuls fûts neufs du chai. Ils vont marquer le whisky et forger son caractère bien breton. Ce qui va venir faire la différence dans la gamme, c'est vraiment le vieillissement. Je
sur le derven ou le double maturation, l'influence du chêne breton va être vraiment prépondérante puisque c'est le même distillat que les autres bouteilles de la gamme, mais vieilli dans les fûts de Jean-Baptiste. Un truc, un côté réglissé là. Oui. Mais il y a la sucrosité. Mmh. C'est pas agressif. Non, non, le c'est le côté sucré du bois qu'on a. Ouais. Non, c'est bien. Mais à mon avis. Au milieu des barriques américaines, les Bretonnes ont toutes leur place, chacune avec leur personnalité. Certaines auront plusieurs vies. À l'intérieur, fruit d'une alchimie mystérieuse, le précieux alcool vieillira entre 8 mois et 5 ans. C'est du temps pour élever un chêne, c'est du temps pour faire des eaux de vie. Et quand on rentre dans un chêne, moi je trouve que le temps s'arrête. Il y a une pause, on appuie sur le bouton pause du temps. Un terroir, une aventure de patience et de passion.